Bien, parfait. Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là pour votre temps et votre présence. Donc ce soir, ça va être un livre blanc pour essayer d'aborder le sujet des ZAD et vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, quelles sont leurs implications, est-ce qu'elles ont eu des ancêtres et est-ce qu'elles auront des enfants, est-ce qu'il y en a d'actives ou pas. Alors à l'origine, le terme de ZAD, ça a été zone à déploiement différé. Il a été inventé pour un projet d'aéroport se tenant au-dessus de Nantes dans les années 60, au début des années 60-70. Donc c'était un contexte juridique légal qui allait permettre à l'État d'encadrer une zone de territoire et de se donner un droit sur ces terres dans les 20 ans à venir, le temps que les habitants sur place puissent se fixer sur leur destinée. Et une fois ces 20 ans, puis 14 ans, enfin, la durée a un peu changé, les habitants allaient pouvoir dire on accepte d'être exproprié selon vos règles ou non. Donc ça c'était le premier sens de ZAD, mais les personnes présentes sur les lieux se sont dit qu'un aéroport qui se construit, c'est pas terrible au niveau écologique pour beaucoup de régions, autant sociales que politiques. Ils ont décidé de bloquer les travaux, si possible, simplement en s'installant dessus. Donc ça, c'est le concept d'une ZAD en elle-même. Donc, je me reprends, c'est zone à aménagement différé, le terme légal qui a été créé en premier lieu. Et des gens ont décidé de transformer ce terme-là en zone à défendre, en se disant que face aux manifestations, aux recours légaux qui nous sont possibles, on a déjà trop vu de projets destructeurs pour l'écologie et inutiles au niveau économique ou mal pensés pour les temps qui viennent, se construire malgré tout. Il y a même des cas de bâtiments qui ont été jugés illégaux ou leurs travaux ont été jugés illégaux, mais ça n'a pas stoppé le projet et les bâtiments se sont faits. Dans les luttes les plus anciennes dans les luttes anciennes qui peuvent se rattacher aux ZAD, j'en vais en parler que de deux ce soir parce que le sujet est très vaste et il faut qu'on aille vite, ne serait-ce que pour vous permettre de voir beaucoup d'aspects auxquels on ne pense pas directement quand on parle des ZAD. D'ailleurs, si vous avez vous-même un ressenti ou lorsque vous entendez le mot ZAD, à quoi vous pensez, si vous voulez écrire en quelques mots ou plusieurs lignes ce à quoi ça vous fait penser, ce serait excellent pour moi d'avoir vos points de vue. Et ensuite, on verra si à la fin déjà de ce premier livre blanc, il aura évolué ou non. Donc, un des premiers combats qui peut se raccorder aux ZAD maintenant, c'était en 1980. On a un groupe de femmes en Angleterre qui ont décidé de monter un campement devant la base militaire de Greenham, Greenham Common, parce que celle-ci allait accueillir des missiles nucléaires américains. Elles étaient contre cette idée et ce principe. Et la lutte qui était vraiment à l'origine constituée par des mères de famille, on va dire, s'est de plus en plus enrichie avec des gens des villages aux alentours et jusqu'au monde entier qui sont venus. Et pendant les 3 ans qu'a duré cette occupation, le camp n'a cessé de grandir et d'avoir de plus en plus d'importance médiatique et a réussi à peser dans l'opinion britannique suffisamment pour que ce projet d'abriter ou d'héberger ou de recueillir sur son sol des armes atomiques américaines soit refusé. C'est quand même une très belle victoire de leur part, si elles considéraient leur combat juste. Enfin, elles, ils, ce n'étaient pas bien sûr que des femmes. Donc ça a été une bonne victoire pour elles. Et c'est l'un des exemples dans les 50 dernières années les plus probants de est-ce que ça marche de monter un campement devant une base militaire pour modifier la politique de défense nucléaire de son pays. Sachant que les Britanniques ont eux aussi des armes nucléaires, bien sûr, mais le fait d'en héberger pour le compte des États-Unis était différent. Ensuite, nous avons la lutte du Larzac, qui date de 1971. Donc là aussi, on se retrouve sur une problématique avec une base militaire qui devait s'agrandir
et des paysans locaux ont décidé de bloquer le chantier de construction, de monter un campement, on va dire, communautaire, héberger les visiteurs et sensibiliser sur pourquoi est-ce que ce serait destructeur que ce camp militaire s'agrandisse. Donc ça a été connu comme la lutte du Larzac, du plateau du Larzac. Et là aussi, l'État et le projet a reculé. Et les propriétaires, on va dire les agriculteurs locaux ont pu ensuite s'occuper de leurs terres d'une certaine manière, avec une certaine dose d'autonomie, dans le sens où ils ont réussi à se rassembler sous un collectif qui a pu négocier en leur nom à tous le prix de la location des terres qu'ils occupaient maintenant et qui s'appropriaient légalement en rentrant dans le cadre d'un bail classique. Mais c'est assez fondamental cette idée dans l'imaginaire qu'à un moment en France, des gens ont pu, en un sens, briser le concept de propriété privée et se regrouper dans un collectif pour négocier face à l'État et aux bailleurs le prix des terres qu'ils allaient avoir. Et bon, le point aussi intéressant de cette lutte, c'était que les plus motivés des gens qui ont bloqué ce projet étaient aussi des grands propriétaires terriens sur ces terres. Et donc, par l'abandon du projet, mécaniquement et par leur implication et leurs intérêts, ils ont eu plus de terres pour eux qu'ils n'en avaient avant. Mais ils ont quand même bloqué un projet. Mais on peut y voir aussi une forme d'enrichissement personnel de leur côté qui peut être contestable, mais à l'époque, la vision qu'ils avaient dans le Larzac et même plus globalement, même dans la seconde moitié, du XXe siècle, on n'était pas autant sensibilisés aux intérêts et aux enjeux de l'écologie et l'environnement qu'ils ne l'étaient à l'époque. Donc on est plus informés qu'eux et leur intérêt premier, c'était de ne pas voir des belles terres se faire transformer en camp militaire, alors qu'ils pourraient faire paître leurs vaches et obtenir un roquefort de qualité. Voilà, c'est un exemple. Donc l'intérêt de la ZAD, c'est vraiment lorsqu'il n'y a pas d'autres recours ou qu'on sent les autres recours inutiles, occuper le terrain pour bloquer un projet de construction. Je vais vous donner deux cartes. Alors la première, ça va être une qui va vous indiquer la liste des ZAD qui sont actuellement actives en France. Elles sont au nombre de 5. Voilà, donc c'est donc la première carte que vous avez. Donc, alors 5 ZAD actives. Qu'est-ce que ça veut dire 5 ZAD actives? Déjà, dans ces 5 ZAD, il n'y a pas des campements permanents sur chacune. La première ZAD que nous allons étudier est la ZAD d'Orsay, qui était une ZAD temporaire qui s'est montée en un week-end au début de juillet 2022. Ils ont fait une ZAD à Orsay? Ah, ça s'appelle la ZAD d'Orsay dans le 63. Ah, dans le 63, d'accord. Ensuite, on a la ZAD de l'Orchidée qui est à Agué dans le 32. Donc là, c'est une ZAD qui combat l'installation d'un parc photovoltaïque avec 15 000 panneaux solaires au sein d'une zone et d'une forêt protégée. Alors, désolé, je vais sauter directement dans le plat. Il se pourrait que, malgré toute la sympathie qu'on ait pour le mouvement des ZAD, certains combats ne nous parlent pas. Mais ça nous empêche pas d'aller visiter les lieux et de se faire notre propre idée. Mais si on ne comprend pas pourquoi, en se disant militant écologique, pour vous simplifier le tableau, on empêche le développement d'une électricité censée être verte, eh bien, le mieux, c'est d'aller sur les lieux pour comprendre la situation, de regarder les cartes et de se dire, oui, en effet, peut-être qu'il y aurait des meilleurs endroits pour faire ce parc de panneaux solaires. Et on retrouve ce raisonnement pour toutes les ZAD. Peut-être qu'il y aurait de meilleurs endroits pour faire cet aéroport. Et s'il n'y en avait simplement pas de meilleurs endroits pour faire cet aéroport? Je parle de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui a bloqué la construction dans l'aéroport. Est-ce que la construction d'un nouvel aéroport au début des années 2010 allait être pertinente? Il y a beaucoup de points à explorer sur ceci. Ensuite, nous avons la ZAD Clé. Ou la ZAD Clé, si vous préférez, la ZAD de Saclay dans le 91.
Donc là, encore une fois, c'est une histoire de bétonisation de terres agricoles qui sont riches et fertiles. Donc là, ils ont aussi une démarche pour voir s'ils ne peuvent pas faire intégrer ces terres dans leur clan à l'UNESCO pour leur donner une surcouche de protection, on va dire, légale à l'avenir. Ensuite, nous avons aussi la ZAD de Bure. Alors, c'est une ZAD qu'on peut dire dormante ou pas. Lorsque le projet d'enfouissement de déchets nucléaires a eu lieu à Bure, une ZAD très vite s'est créée sur les lieux, majoritairement par volonté anti-nucléaire. Plusieurs fois, donc, elle était vraiment installée sur les lieux où là, actuellement, ils sont en train de terminer de creuser le centre de stockage. Plusieurs fois, elle a été vidée. Alors, quand je dis vider, ça, vous allez prendre en compte pour tous les exemples de ZAD que je viens de citer. Je vais vous expliquer un peu après ce qu'il en découle. Vider, ça veut dire expulser. Expulser, ça veut dire détruire des cabanes. Des cabanes, ça peut vouloir dire, et ça veut dire des lieux de vie en commun et des maisons. Donc, c'est en ça que c'est extrêmement compliqué de parler des ZAD, parce que est-ce que je pourrais réellement, moi, vous faire comprendre qu'est-ce que ça signifie une expulsion? Qu'est-ce que ça signifie de perdre sa maison dans des circonstances extrêmement brutales et rapides? Peut-être que vous aurez des éléments visuels qui vont permettront d'illustrer un peu mieux ces propos. Donc, pour revenir à la ZAD de Bure, il y a dans un village à côté, il y a une maison de la résistance qui s'est créée, qui correspond à un lieu de rencontre et d'échange pour beaucoup de militants et simplement de voyageurs. Mais la ZAD de Bure n'existe pas en tant que campement, on va dire. Alors là, bon, ça me fait un peu rigoler. Sur la carte, ils ont mis Sainte-Soline et le problème des méga-bassines. Est-ce qu'il se pourrait qu'une ZAD se monte sur place ou non alors que les projets se font retoquer d'heure en heure, on va dire? C'est compliqué. Dans les premières manifestations qu'ils ont faites fin octobre et mi-novembre, la volonté n'était pas de créer une ZAD sur place. Mais en effet, ça peut être des projets destructeurs au niveau écologique pour certains, qui pourraient être un bon motif de création de ZAD. Et là, n'apparaît pas sur la carte, mais vous pourrez le rajouter entre Nantes et Rennes, on va dire, donc tout en haut dans l'ouest, juste avant la pointe du Finistère, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui est une ZAD qui existe et n'existe pas. Est-ce que ce serait la ZAD de Schrödinger ou pas? L'histoire est très longue. J'en reviens, j'y étais là pendant 4 jours. C'est toujours une ZAD. Et elle est vivante. Mais c'est la ZAD la plus ancienne et c'est la ZAD la plus intéressante à étudier. Autant au niveau du combat qu'ils ont mené. Dans le combat, il faut prendre en compte l'échelle du projet qui s'étale sur 50 ans. Avec son lot de décisions, de référendums, de rapports, de déboires, de conflits d'intérêts et de mensonges. Et bien sûr, de conflits. Une fois que le projet d'aéroport a été abandonné, les habitants sur place ont décidé de rester sur les terres parce qu'ils les avaient occupées pour certains pendant plus de 10 ans. Les premiers occupants sur zone reviennent à l'été 2007 et le projet d'aéroport a été abandonné en 2018, sachant qu'il y a eu une première vague d'expulsion qui aurait dû être faite sous Sarkozy en 2012, mais les élections présidentielles arrivant, il a préféré refiler le chapeau à François Hollande, qui lui a déclenché une opération de maintien de l'ordre sur place pour détruire la ZAD, détruire et non pas l'évacuer. Cette opération est très intéressante dans un sens tactique parce qu'elle mélangeait des CRS et des gendarmes mobiles en plus de d'autres troupes et moyens. Le fait est qu'elle a échoué. Tous les bâtiments durs, si vous regardez la deuxième carte que je vous ai envoyée pour vous simplifier l'idée, dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, vous voyez deux grandes routes qui se rejoignent en pointe, et au-dessus de la route rose, il y a le chemin de Suez qui traverse la zone.
Donc on parle de 1650 hectares de terre qui étaient réquisitionnés pour cet aéroport. Mais beaucoup, toutes les situations sont possibles. Des gens ont accepté de partir, d'autres non. Des gens ont accepté un pactole de l'État, d'autres non. Des gens ont abandonné leur maison sans rien réclamer. Des gens sont restés sur place. Et au fur et à mesure des années, de plus en plus de gens sont venus s'installer, malgré le risque d'expulsion et d'opérations policières presque quotidiens sur place. Donc maintenant, vous prenez cette magnifique carte, vous regardez ces deux routes qui se pointent. Vous voyez le chemin de Suez qui traverse la ZAD avec ou sans barricade. Donc la route qui est sur la pointe gauche, c'est la D81. La route à droite, c'est la D281. Maintenant, vous voyez que dans un petit jeu rigolo, certains copains voient un signe anarchie avec le chemin de Suez qui traverse la D81 et la D281. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces routes? Parce que c'est un énorme point de tension entre le gouvernement, la région, le département, la ville de Nantes et les villages aux alentours avec la ZAD. Et c'était même un point de tension énorme au sein de la ZAD. Je vais vous expliquer pourquoi, si ce n'est pas ce soir, ce sera dans un des soirs prochains. Il y a beaucoup de choses à dire, j'en suis désolé. Donc sur cette carte, vous la séparez en deux. À droite, c'est l'est. À gauche, c'est l'ouest. Au centre, c'est le centre. Plus vous allez vers l'est, et ce je vais dire sur la période post-expulsion de 2012. En 2012, l'opération d'expulsion a détruit toutes les maisons en dur à l'est. Ce qui fait que pour les années qui ont suivi, il n'y a plus resté sur l'est que des bâtiments légers, des habitats légers, des cabanes, des caravanes, des yourtes, des tentes, tout ce que vous pouvez qui peut représenter une maison pour quelqu'un qui prend le temps de la construire et d'y passer du temps et d'échanger. Donc, c'est pas des maisons individuelles mis côte à côte ou alignées, mais plutôt sur les lieux, il faut voir plein de petits campements qui sont éclatés sur la zone. Au centre, il reste le dernier bâtiment en dur avant l'ouest. C'est l'Agré, qui est un lieu d'accueil, un grand corps de ferme. Maintenant, pour vous faire simple, dans Notre-Dame-des-Landes, si vous allez à l'ouest, vous êtes plus dans le confort et dans la médiation, l'entente avec l'État, que si vous êtes à l'est. À l'est, la zone était non motorisée à un moment, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de véhicules qui étaient acceptés simplement sur zone. Il y avait toujours des tracteurs, des agriculteurs locaux qui pouvaient passer. Par exemple, la D81, elle était non pas complètement bloquée, mais en partie ralentie par ce qu'on appelle des chicanes, qui sont des mini-barricades qui permettent simplement aux voitures de faire ralentir. Alors, beaucoup de divagations à faire là-dessus. Le plus gros problème, c'est qu'au sein de cette ZAD, où en 2018, il y avait 300 personnes qui habitaient à l'année sur place, il y a eu des manifestations anti-aéroports qui ont rassemblé jusqu'à 40 000 personnes sur place en 2016, par exemple. Les routes sont extrêmement dangereuses parce que ce sont des départementales à 80. Problème, est-ce que dans votre village ou dans votre quartier, vous aimeriez avoir au pied de votre porte une route à 80 alors que vous avez des enfants ou des animaux? Le fait est que jamais, même pour y être passé, jamais la vitesse n'a été limitée sur ces zones. Que ce soit à 50, que ce soit à 30, qu'il y ait des ralentisseurs qui soient installés officiellement. Jamais ça n'a été fait. Des demandes ont été faites, elles ont été retoquées ou mises de côté. En fait, c'est un magnifique argumentaire qu'on a pour dire vous êtes bien sympa, mais vous faites chier. Voilà, pour faire simple. Donc, ces routes-là ont été occupées jusqu'à ce qu'il y ait carrément des cabanes sur une des voies pour exprimer le fait qu'elles étaient dangereuses pour les populations locales. Et en effet, là, en y étant passé ce week-end, ce sont bien des routes où on peut rouler à 80, et ce sont bien des routes où on retrouve des animaux morts au bord, et ce sont bien des routes où il n'y a aucun passage piéton, ni même d'éclairage, parce qu'il n'est pas recherché non plus. Mais ce sont des routes dangereuses pour les riverains de la zone, encore actuellement. Enfin, elles le sont bien plus actuellement qu'elles ne l'étaient avant.
Tout ça pour vous dire que la ZAD est extrêmement intéressante parce qu'elle a survécu à une expulsion et elle est rentrée de force, vraiment de force, dans des processus de légalisation qui sont passionnants à étudier. Et ce qui est aussi très intéressant à vous présenter, c'est les rapports d'organisation à l'intérieur. Comment est-ce que des gens qui ont une volonté de proposer un projet commun et non pas uniquement agricole, vont pouvoir s'accorder entre eux lorsqu'arrive la menace des expulsions et l'avenir de la ZAD. Je vais vous faire un petit spoiler. Vous vous doutez bien que à l'Est, qui va regrouper, alors ne le prenez pas mal, mais ça va être, ce n'est ni péjoratif, mais c'est une partie de la réalité. La ZAD est extrêmement diverse, à l'Ouest comme à l'Est, comme au centre. On peut retrouver beaucoup et large spectre d'opinions politiques différentes ou d'apolitisme différent, de vision de l'écologie ou du respect différentes. Toujours est-il que l'Est étant habité majoritairement par des gens qui sont en opposition avec un système consumériste capitaliste, vont être et qui vont être ou qui peuvent être aussi ou anarchistes ou communistes ou écologistes des fonds des bois à vivre en autarcie. Le pouvoir de regroupement ou même le choix de se regrouper sous des formes associatives ou des comités est extrêmement moins présent et était extrêmement moins présent aussi à l'Est qu'à l'Ouest. L'Ouest va regrouper les plus grandes organisations de la zone qui font de très belles choses aussi, mais c'est aussi le centre des pouvoirs. Par exemple, pour vous donner une idée, pendant les expulsions de 2012, l'un des centres où se faisaient les AG, ça allait être l'Agré ou la Voirdine, qui sont des zones quand même relativement proches du centre. Il y avait aussi la chèvrerie et d'autres grands campements qui avaient été créés, qui ont été rasés, qui étaient des centres de rassemblement où des décisions communes pouvaient être prises. Après l'opération de 2012, ces lieux n'existent plus. Je vous rappelle que tous les lieux en dur de l'Est ont été détruits en 2012. En 2018, la vision a été différente. Ils ne détruisaient pas les maisons, ils les muraient. C'est plus sobre de murer une maison. Ça sert. Là, ce qu'il faut retenir, c'est post-2012, les plus grandes décisions importantes vont se prendre vraiment à l'Ouest, dans un lieu qui est matériellement très éloigné des habitants qui sont le plus à l'Est. Il faut déjà avoir l'information qu'une AG va se ressembler à tel endroit, qu'il y aura tel ordre du jour, à telle heure, et être aussi en forme pour faire ne serait-ce que le voyage. Il peut y avoir plusieurs kilomètres d'écart à travers toute la zone. Je pourrais continuer à vous parler sans réel plan comme ça, parce qu'il n'y en a pas de réel pour cette première paragraphe de présentation. Je voulais juste essayer de vous soulager un petit peu de tous les thèmes qui vont être abordés à travers le montage que j'ai fait dans la journée pour essayer d'exposer la complexité des situations spécifiquement à Notre-Dame-des-Landes, mais qui peuvent se retrouver dans d'autres lieux et d'autres organisations et associations. Pour précision, avant qu'on se lance dans un magnifique montage un peu fait à l'arrache, j'en suis désolé. Il y a des points très importants avec des informations qui demandent encore à être vérifiées, je ne parlerai pas ce soir, mais ça va aller donc de problèmes de santé publique à des doctrines de maintien de l'ordre qui sont complètement aberrantes, des utilisations de fonds publics qui sont complètement opaques et de transparence au niveau des dossiers de renseignement sur qu'est-ce que c'était exactement que le projet d'aéroport dans des points extrêmement précis. Et aussi, quelle est la place de la liberté de la presse dans tout ça? La liberté de la presse, ou plutôt la liberté d'informer, ou le juste accès à l'information, spécifiquement en période
d'expulsion. Ce sont des choses extrêmement délicates à parler sans vexer qui que ce soit et sans ne pas tomber une fois à un moment ou à un autre dans l'inexactitude. Du coup, j'espère que ce premier paragraphe était plus ou moins clair ou pas clair. De toute façon, ça va s'opacifier pour vous dans la soirée et il faudra bien plusieurs livres blancs pour traiter tous les sujets de réel, enfin, d'importance profonde sur l'histoire des ZAD. Du coup, je vais faire un partage d'écran et je voulais vous inviter à vous déplacer dessus pour pouvoir admirer mon magnifique montage. Là. Je suis désolé, je pense que la qualité va être patate, n'ayant pas mis trop et n'ayant pas ayant choisi le format d'export le plus rapide. Le montage est terminé il y a à peine 20 minutes et je n'ai pas eu le temps de le re-regarder. Nous en avons pour 1h47 de vidéo. Donc n'hésitez pas. Oui, t'as bien entendu, Prali, je suis désolé. Donc, on ne sera pas obligé de tout regarder. Lorsque vous n'en pouvez plus, n'hésitez pas à faire un énorme post dans le chat Livreban pour dire faut s'arrêter, faut que t'expliques ça, ou on en a marre, parlons d'autre chose. Et moi-même, je prendrai la peine de l'interrompre de temps en temps, le moins possible, j'espère, pour laisser simplement la brutalité du message. Passer cash sans pouvoir vous le vicier avec une vision. Mais bon, s'il y a des précisions importantes à faire, j'essaierai de les faire, mais je pense que je vais préférer me taire quoi qu'il advienne. Je vais quand même essayer des fois de vous préciser quel type de document on va voir. Donc là, nous allons commencer par les premières images que j'ai filmées à Notre-Dame-des-Landes pendant les expulsions d'avril 2018. Ce n'est pas mon premier ressenti, simplement le premier moment où j'ai décidé de sortir ma caméra pour capter ce qui se passait. Donc juste après ce plan avec l'hélico, on va arriver donc dans la journée. Ça se passe le mercredi soir pendant avril. Les expulsions, elles ont duré du lundi 9 jusqu'au... Compliqué à dire parce que les destructions sont terminées le jeudi. Le dimanche, les gendarmes avancent toujours plus dans la zone. Et ils vont rester sur place pendant encore 10 jours. Une trêve va s'installer. Il y aura quand même des grenades de tirer. Du coup, même au niveau temporel, ce n'est pas que c'est confus, c'est que c'est vraiment extrêmement compliqué d'avoir une vision d'ensemble sur l'exactitude des événements. Et dans ce type de lutte, beaucoup de détails sont extrêmement importants. Du coup, je vais pas plus vous en dire sur ce sujet. Juste après, vous allez voir quelques extraits vidéo que j'ai tournés le lendemain en fait. Et après, vous n'en verrez plus de ma part, vous ne verrez plus de documents de ma part dans ce montage pendant les expulsions de 2018. À la fin, par contre, il y aura bien une petite séquence tournée ce week-end à la bibliothèque de la Rolandière, où je montrerai un passage des expulsions à une personne qui gère la bibliothèque, un Portugais qui était en visite pour découvrir la ZAD, un jeune qui allait partir bientôt en voyage, mais qui voulait quand même découvrir la ZAD avant de partir hors de France. Justement, pour le détail, il allait au Portugal. Et une dame qui était habitante des lieux en 2012 et qui s'est occupée de faire des communiqués d'information pour le site de la ZAD, ZAD Nadir, entre autres. Donc c'était un public qui était... Enfin, pas public, c'était des gens intéressants à rencontrer, avec qui discuter. Vous trouverez aussi donc des prises de tête à l'Assemblée concernant le projet. Vous trouverez des documents de l'INA qui ont été énormément repris pour revoir les origines du projet. Vous aurez aussi donc des vidéos qui ont été tournées par des locaux sur place, ou des journalistes, ou des automédias. Vous trouverez, malheureusement, on ne peut pas passer à côté des scènes de violence.
Vous trouverez aussi des témoignages, c'est peut-être les plus intéressants à entendre, de personnes qui ont vécu sur place, qui vivent sur place, qui vivaient sur place, et qui vont parler de comment est-ce qu'ils se sont débrouillés. Il va y avoir un passage sur quelqu'un qui va parler de la cabane de la chenièvrerie. Comment est-ce que ça s'est passé l'expulsion? Un autre passage qui va expliquer un texte qu'on appelle le texte des six points, qui a été, on va dire, une déclaration de volonté commune de la ZAD d'inscrire des règles pour l'avenir. Mais est-ce que c'était réellement une volonté commune et est-ce qu'elle était très pertinente? Eh bien, on va écouter leurs témoignages. Et nous allons entendre aussi des leçons qu'ils en ont tirées et quel goût est-ce qu'ils ont de la vie à la ZAD après les expulsions et d'autres choses. Donc voilà, on va y aller. Donc j'espère que vous êtes bien installés. Préparez-vous une boisson chaude et n'hésitez pas à mettre un énorme post stop dans le chat. Faites attention aussi à vos casques, si vous avez un casque, en fait, à votre système son. Je ne suis pas sûr que le volume soit égal sur chacune des vidéos. Et je suis désolé, c'est un montage brut pour présenter quelques éléments. J'ai essayé de faire court. Allez, on y va et ZAD partout. Bonne séance. Jeudi 12 avril 2018. Les expulsions. Ça ressemble donc à ça. On commençait le 9. Les gars, venez sur la droite, hein. Il y a plusieurs gendarmes qui se rapprochent. Ouais, je vais pas le chien. Quel chien? Vas-y. Bon courage! Bon courage pour la pluie, c'est désagréable pour nous aussi. Ça marche, j'essaye de l'attraper. Hop là. Ouais, je le vois derrière. C'est un bon chien. Ouais, il aura rentre derrière. C'est bon, je les ai eus, je crois. Tu vois? Ouais, ouais. Ça va, ils sont plus énervés que les autres jours ou pas? Le chien, t'es important. Ouais, c'est bon, je l'ai. T'es calme bien? Quoi? T'es calme bien? Oui. T'es calme bien? Ah, aucun. Je suis à mon compte. Je suis créateur. Faut reculer. Offre le chien quand même. C'est bon. Attention! Attention, ça va? Oh. Ça va pour vous? Ça va, ça va. Tant mieux. Attention, plan! C'est vrai qu'en plus, c'est les lances en même temps que les lacrymos. Mais ouais, ces petits combos sympas. Oh là!
Oh putain! Attends, y'a un mec qui est au ski. Ça va? Là, y'a un petit chou. Pas de blessé? Pas de blessé? Non? La grenade a porté la pressionante, c'est là, L1! Et là, il vient de dire L4! Attention aux grenades! Vous avez les glandes lacrymo? Eh, ceux qui lancent les lacrymos, c'est ceux qui payent l'apéro! Apéro! Attention là! La toile! Oh! C'est bon là! Putain, elle est où? T'as vraiment un goût de chiottes! Ah! Ou on pouvait pas en faire au menthol? Ah! Là, on a pris au TP, votre chef, on a pris à l'intérieur! Attention! Ouais, bien joué! Attention! Attention! Lacry! À son descente! Putain! Oh, des copains! Coucou les copains! Eh, on a des renforts, et vous? Attention! Ils avancent! Putain! C'est quoi ça? C'est abusé! Ouais, ouais, mais attends... Non mais regarde l'éclat que ça fait, quoi! Regardez le truc que ça fait, putain! Attention aux grenades! Attends, attends, mec! C'est bon, c'est bon! Eh, faites attention, c'est dangereux! Excusez-moi de faire une pause, c'est exactement à ce moment précis que j'ai réalisé que ce qui est... ce que j'étais en train d'avoir en image, ou plutôt ce qu'on vivait tous, allait nous dépasser. J'avais peut-être déjà entendu des Gliev 4 exploser en manifestation. J'avais peut-être aussi déjà vu des images par rapport à la ZAD de Sivens et la mort de Rémi Fraisse en 2014 de leurs ancêtres, les OFF1. En manifestation, peut-être aussi que j'avais dû en entendre, mais peut-être très rarement. Et c'était la première fois, simplement, lorsque c'était la première fois de toute ma vie où je me rapprochais d'armes de maintien de l'ordre, qui sont donc de catégorie 2, classées comme armes de guerre, qui doivent être utilisées avant les armes à feu, qui sont pourtant très mal encadrées, on y reviendra. Non, en fait... Ça me dégoûtait, ça me répugnait et ça me surprenait extrêmement désagréablement que notre État accepte d'utiliser ce type d'armes contre sa propre population, même si sa population n'est pas d'accord avec elle. Voilà, je vous ai simplifié mon ressenti. On continue. C'est incroyable. Petit handicap aussi.
Nice. Attention à vous sur la route. Bonjour le drone. T'es où mon beau? Ah ouais, t'es là-haut. Oh, il est beau! Coucou! Merde, je t'ai perdu. Attention! Hop, pas boum! Elle a pas fait boum, c'est dangereux! On fait quoi, messieurs les gendarmes? Il y a une grenade qui a pas fait boum! C'est dangereux! C'est vrai, moi je sais pas quoi faire, je suis un citoyen démuni face à cette situation! Est-ce que je dois laisser un objet de l'État dangereux dans le champ? C'est pas le mien en plus! Attention aux grenades! Fumigène, le cible! Ah, t'inquiète. Excusez pour cette nouvelle pause et. Je dois vous expliquer ce que vous avez vu. Donc. Un projectile tiré dans un champ qui ne fait rien. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Est-ce que c'est défectueux? Qu'est-ce qu'ils ont lancé? Est-ce que c'était une grenade lacrymogène ou une grenade Kiev-4? Les deux se ressemblent énormément une fois qu'elles sont en l'air. Et c'est pas possible simplement de les identifier une fois qu'elles retombent par terre, tant que tu ne laisses pas 3 ou 4 secondes pour voir leur effet. Là, il se trouve qu'un de ces projectiles est tombé dans le champ sans ne produire d'effet. Là, on a dit qu'elle n'avait pas fait boum, par exemple. Supposé de base, des fois c'est assez instinctif par rapport au bruit du lanceur, la trajectoire du projectile, même si normalement il y a une trajectoire qui doit être légale, on va dire, encadrée par les règles. La trajectoire du projectile peut te permettre de déterminer si c'est plus une grenade qui est désencerclante ou une grenade lacrymogène. Mais dans les faits, ils tiraient à tort et à travers, ils le font encore et ils le feront encore, peu importe le nombre d'heures d'entraînement qu'ils auront. Quand tu utilises une arme en si grand nombre, eh bien, tous les lancers ne peuvent pas être parfaits. Et je ne m'avancerai pas pour dire qu'il puisse y avoir des lancers parfaits dans une grenade quand tu la lances en direction de gens comme toi. Donc, tout ça pour vous dire qu'à Notre-Dame-des-Landes, il a été utilisé sur place des grenades qui étaient périmées. Grenades lacrymogènes comme Gli F4. Donc, c'est pour ça que l'interrogation est vraiment pas idiote. Qu'est-ce qu'on doit faire de ces objets qui contiennent des charges explosives ou des charges de composés toxiques si elles n'ont pas explosé? Qu'est-ce qu'on doit en faire? Est-ce qu'on les laisse dans le champ? Si quelqu'un vient faire un labour, est-ce que la lame de son tracteur va exploser? Est-ce qu'elles vont exploser plus tard? C'est extrêmement énorme l'importance que ça peut avoir l'utilisation de projectiles périmés. En regardant ce que j'ai pu filmer sur place et d'autres témoignages, je peux m'avancer en vous disant qu'un projectile périmé, spécifiquement la Gli F4, va avoir son temps de détonation influencé. C'est-à-dire qu'il pourrait exploser plus tôt ou plus tard, ou ne pas exploser du tout, comme dans ces cas-là. Oui, c'est un champ de bataille. En fait, on peut. Si on parle dans l'échelle de la guerre, on est dans les plus bas échelons. Mais tous ceux qui ont vécu ça parleront sans problème d'ambiance de guerre. Nous reprenons. Oh là là, ils se font plaisir. Oh, le lancer, il est chaud. Ouais. Oh, le foirage! Foirage à gauche! Attention sur la route à gauche! Bah nous, on sait au moins faire du badminton, quoi. Ouais. Il est beau ton poncho, mais. Ah,
Sorry. Dédicace au frangin et au transidentaire. T'as le droit de faire une pause, c'est l'heure du thé. Et quelle heure, chef? Aucune idée, mec. On est autour de 7h. C'est ça. Ah bah, ils sont vraiment fous. 9h17. Merci. 9h17, merci. Attention, grenade. Ah, il va faire tout noir. Putain, attention. Putain. Allez, allez, on lâche rien. C'est pas grave. Attention sur la route. Excusez pour cette interruption, je vais donc vous expliquer le contexte. Là, pour ce soir, on ne verra plus de documents ou d'archives de ma part filmées en 2018. Par contre, nous aurons donc des documents qui ont été tournés sur place par d'autres personnes. Là, en l'occurrence, on va avoir une série de témoignages concernant qui ont été captés par la chaîne Piraterie à Roulette pendant le temps où elle a vécu sur place. Ce sont donc des gens qui vont simplement nous parler de la ZAD. Plusieurs potes qui sont invités sur la ZAD, tous leur version de la ZAD, super différente. C'est une école anarchiste, la ZAD. Bah, c'est en même temps des copilages ici. C'est une zone de résistance que j'ai toujours rêvé. Une terre d'accueil. Très grand squat, le plus grand squat d'Europe. Comme dans tous les squats, bah, tu vois à la fois le meilleur et le pire de l'humanité. Vraiment le pire du pire ou le meilleur du meilleur, quoi, les deux à la fois. Comme partout, il y a encore des choses à revoir, mais c'est un potentiel très intéressant cet endroit. Vraiment, j'aime beaucoup, j'y repasse dès que je peux, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ça dépend. Je sais pas, c'est mon sas de découpe. Excusez, pour vous situer, ces témoignages ont été captés avant les expulsions de 2018, un ou deux mois avant. Question, je me sens vraiment vivant. Eh ben pour moi, la ZAD, à la base, c'est une zone de rébellion contre l'État, mais aussi contre son monde. Vu que l'État n'a plus d'autorité ici, c'est une zone libérée. Rebâtir un nouveau monde, sous d'autres idées que le capitalisme, ou le communisme, ou le royalisme, ou l'impérialisme, l'anarchie. Il y a beaucoup de luttes aussi qui sont présentes, aussi différentes. La lutte squat, la lutte féministe, antisexiste, antiraciste, la lutte anarchiste, contre l'homophobie, contre la transphobie, grosse lutte contre le capitalisme aussi. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui hésitent à venir ici ? Bah déjà, pourquoi ils hésiteraient à venir ici? Pourquoi? Parce que les gouvernements disent qu'il y a des terroristes. Des zadistes, qui sont des ultra-violents. Il y a aussi des individus qui peuvent aussi provoquer des violences. Il y a une internationale de la violence qui s'est installée dans cette zone. Et ils ont piégé, dit-on, lit-on ces derniers jours, cette zone de 1200 hectares. Ça peut aussi se produire du côté des forces de l'ordre, puisque des pièges mortels sont tendus aux policiers dans cette zone à défendre. Il y a armes qui sont dans la ZAD aujourd'hui, qui sont prêtes à être utilisées, y compris selon des rapports dont vous parlez, des fusils de chasse, et ils attendent que ça, qu'il y ait une confrontation avec les policiers, qu'il y ait des morts, dire on reste. Tout est transformé, modifié, on te ment par omission parce qu'on oublie des éléments. C'est une vraie manipulation, quoi. Les plus gros terroristes sont au gouvernement. Alors, il faut arrêter de les écouter, quoi. Nantes-Château-Bougon, un aéroport qui existe, situé près de la ville, assez bien aménagé, mais un peu bruyant et bientôt trop petit.
À 20 km au nord de Nantes, la campagne. Des communes paisibles, une zone agricole où l'élevage marche bien, où les agriculteurs sont assez prospères. On aurait pu remplacer Château-Bougon par un grand aéroport situé entre Rennes et Nantes pour desservir tout l'Ouest. On a choisi le site de Notre-Dame-des-Landes, vigne de Bretagne, Grandchamp et Treillières. Sur cette zone, on aménagera peut-être à l'avenir l'aéroport Ouest-Atlantique. Cette situation, si elle est intéressante vis-à-vis de Nantes, elle est aussi intéressante vis-à-vis de l'ensemble des villes de l'Ouest, dans la mesure où l'on peut penser qu'à partir de 1990, par exemple, ou de 1980, cet aérodrome pourra servir à des liaisons beaucoup plus lointaines. Alors à ce moment-là, on a calculé, par un certain nombre de procédés sur lesquels nous ne nous étendrons pas, que la situation de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes était relativement proche de ce qu'on peut appeler le centre de gravité de l'ensemble des grandes villes de l'Ouest. Excusez-moi pour cette interruption. Là, ce qu'on vient de voir, c'est le passage mémorable, l'une des seules archives accessibles concernant le projet de Notre-Dame-des-Landes avant les années 80, on va dire. Cette vidéo, il me semble qu'elle date de 74. L'important dans ce monsieur qu'on présente expert pour défendre le projet, ça a été le terme, enfin les mots qu'il a utilisés pour choisir la zone. Ils ont utilisé un ensemble de procédés sur lesquels il ne va pas s'étendre. Il n'expliquera pas. Et c'est un problème qu'on aura et qu'on recroisera très souvent pour les grands projets inutiles et imposés, donc les GPII, ou les GPI si vous préférez, qui sont l'une des causes principales de l'apparition des ZAD. Donc bloquer un projet qui nous semble injustifié et imposé. Donc voilà, c'est une opacité au niveau des méthodes qui est à l'origine de ce qui est devenu Notre-Dame-des-Landes, du problème que ça a été, et aussi du lieu de vie que c'est maintenant, qui peut être une chance ou une malchance, tout dépend le point de vue. Si les formules et les logiciels de réflexion avaient été transparents dès le départ, ça aurait pu être différent. Arrêter avant ou continuer, je pense plus que ça aurait été arrêté avant. On reprend, excusez pour l'interruption. La position de la municipalité de Notre-Dame-des-Landes, nous avons pris une délibération en date du 29 septembre 1972 et nous avions émis un avis favorable. Ce monsieur, c'est le maire de Notre-Dame-des-Landes. La décision n'a pas été facile à prendre. Le conseil municipal de Notre-Dame-des-Landes manquait d'éléments de jugement. Il a suivi l'avis favorable donné par les autres communes situées sur la zone et en particulier Vigneux de Bretagne. Des réserves ont été émises par les élus locaux par souci de protéger les agriculteurs et aussi les riverains du futur aéroport. Dans un premier temps, le préfet de région a signé la création de la zone où sera situé l'aéroport, la ZAD. Monsieur Guillard explique pourquoi il y était favorable. Pourquoi, vous me demandez? Eh bien parce que nous avons pensé, puisque une ZAD dure quand même 14 ans, alors pendant les 14 années quand le décret de ZAD ou l'arrêté ZAD sera pris par... le préfet de l'Atlantique, préfet de région, les agriculteurs concernés ont quand même 14 ans pour soit se reconvertir ou vers leur position. Vous, votre maison, elle ne sera pas sur la zone d'aérodrome? Votre maison, là. Ici? Oui. Ah non, je crois que ça passe mieux, ça passe en dessous, c'est Grenoble, moi. Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, de savoir qu'il y aura un aérodrome ici? On aurait autant aimé pas, mais... Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Bah, sans obligé de partir, de toute façon. Sans obligé de partir. Chercher un autre endroit pour habiter. Et où est-ce que vous pensez aller? Sur Vigneux, parce qu'on est originaire de Vigneux. Pas très loin, de toute façon. Oh, non. Alors, ce qu'on a, on aimerait... Bah, c'est pour les enfants, ça fait plus de temps pour les enfants que pour nous-mêmes. 17 exploitations se trouvent sur la zone. Les agriculteurs y sont jeunes, 2 sur 3 ont moins de 50 ans. Un comité de défense des riverains a été créé. Ils se demandent si l'aéroport serait justifié avec une crise de l'énergie. Ils regrettent aussi que des routes départementales soient supprimées un jour. Les raisons qui poussent à faire cet aéroport sont d'intérêt régional plus que local.
Cet aérodrome devrait prendre le remplacement de l'aérodrome de Château-Bougon, lequel peut se développer encore avec les éléments actuels jusqu'aux environs 1990 sans trop de difficultés, mais à partir de 1990, en raison d'une part de l'extension du trafic et en raison d'autre part des nuisances dégagées par ce trafic sur l'agglomération nantaise, et notamment sur la partie sud-ouest de l'agglomération nantaise, il sera nécessaire de déplacer l'aéroport, de trouver un site un peu plus éloigné, quoique suffisamment proche, permettant à la fois d'éviter les nuisances et de permettre un trafic bien plus considérable. On escompte en 1985 un trafic de l'ordre de 1 million, 1 million 300 000 passagers. Pour se faire une idée de ce qu'est ce trafic, le trafic de Lyon est actuellement de l'ordre de 1 million de passagers. Ce terrain est exceptionnellement situé dans une zone d'une part où l'urbanisation est très faible et où d'autre part où la direction des pistes d'envol, qui sont à peu près dans la direction des vents dominants, c'est-à-dire est-ouest, ne risque pas d'apporter de nuisance sur des territoires où vraiment la densité de population est relativement faible. Si vous êtes toujours là, ça va vous gêner, vous croyez ? Dame notre Dieu, je ne resterai pas quand j'entendrai le vacarme. Je foudrais le camp, j'ai une fille. Et qu'elle retrouve là-bas, ils sont point dedans, je dirais chez elle. Oh, je ne resterai pas. Comment ? Je ne serai plus, mais il ne faut pas compter la pluie. Non. Sur le plan aviation, aéronautique, est-ce qu'on connaît les zones de bruit ? De Notre-Dame des Landes. Oui. Enfin, du futur aéroport. On les connaît, il y a des zones types, effectivement, oui. Mais tout dépend, ces zones sont directement en fonction du trafic, ce qui fait que... On ne peut pas y déterminer longtemps à l'avance. Non, une courbe donnée sera toujours bonne, mais on ne peut pas dire à quelle échéance. Oui, parce que c'est important dans la mesure où des gens voudraient, par exemple, s'installer, construire dans une zone assez proche. Si cela se trouve dans une zone trop proche de l'aéroport, ils ne peuvent pas le faire. Oui, mais enfin, je peux vous confirmer, d'une part, que la ZAD est assez large, justement, a été conçue largement. L'aérodrome lui-même ne nécessiterait que 600 ou 650 hectares et on en met le double dans la ZAD, justement, pour protéger aussi les voisins. L'aéroport ouest-atlantique desservirait tout l'ouest. Il assurerait un trafic international. On y installerait une piste d'envol, puis deux et peut-être trois un jour, en fonction de l'évolution du trafic. Château-Bougon serait alors réservé à l'aviation d'affaires. Vous en pensez des aérodromes comme ça qui viennent se mettre à la campagne ? Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a du chômage, mais ils vont pouvoir en occuper là quand même. Il y a du boulot à faire. C'est une porte ouverte pour l'avenir et c'est une des portes ouvertes les plus intéressantes à mon avis pour le décollage de l'ensemble de l'Ouest français. Vous prendrez peut-être l'avion ? Vous êtes toujours là. Oh là 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 ! Je n'ai déjà pas monté. C'est de que tu montes dans mon lit alors. Ils ont monté dans l'avion. Ah non, pas, non, pas, non. Hop. Désolé pour cette nouvelle pause. Je vais vous préciser. Ta question est vraiment pas bête, Naga. Est-ce que c'était un aérodrome ou un aéroport ? Les mots ont varié au fil des temps. On en parlera plus dans les livres blancs suivants, mais des choses un peu aberrantes sont apparues au fur et à mesure que le projet essayait d'avancer. Il a été mis en pause pendant presque 20 ans après un pic pétrolier à la fin des années 80. Il est réapparu vers 2004 avec la volonté de Jean-Marc Ayrault d'avoir un nouvel aéroport pour lui dans sa région. Comme chose aberrante qu'on peut avoir, par exemple, le projet était vendu et réfléchi pour remplacer donc l'aéroport existant de Nantes, Nantes-Château-Bougon. Sur les plans, on va se rendre compte que finalement, l'aéroport lui-même sera plus petit que celui de Nantes-Château-Bougon. Il sera répondu que c'est grâce à l'automatisation de certains services qui fait que normalement, il y a besoin de moins de place et de bâtiments. Mais dans ce cas-là, ça agit aussi sur les promesses d'emploi qui étaient faites, qui étaient intégrées au projet.
Si on met une machine, on n'emploie pas une personne. Bon, et des milliards d'autres euros ou francs fichus en l'air, on va dire. On va continuer. Alors, l'extrait suivant, désolé pour le montage qui est foiré. L'autre ambition, c'est d'être... Très bien, donc là nous arrivons dans les années 2004. Le projet ressort et nous avons donc Jean-Marc Ayrault qui exprime sa volonté d'avoir un pôle international en plein milieu du bocage. Parce que qui dit construction d'un aéroport implique un réseau ferroviaire qui va le relier, ainsi qu'un réseau autoroutier et tout un pôle d'activité qui va se construire. Donc ce qui devait n'être que 1650 hectares à l'origine fera bien plus une fois le projet achevé et réellement utilisable. D'aménagement foncier, de développement autour de la future plateforme de Notre-Dame-des-Landes. Donc à partir d'un certain moment, il faut qu'un équipement se fasse. Surtout quand l'actuel aéroport de Nantes présente un certain nombre de conditions contraignantes, y compris pour la sécurité. Nantes-Atlantique, comme beaucoup d'autres villes qui sont survolées sur les phases d'approche avant l'atterrissage, n'est pas un aéroport dangereux. L'aéroport de Nantes, aujourd'hui, n'a pas toutes les conditions de sécurité. Un nouvel équipement est nécessaire. L'aéroport de Nantes ne peut pas être classé dans les aéroports dangereux. C'est une évidence. Je pense que ce choix a été médité, a été voulu. Sur le terrain, il y a des associations, il y a des gens, il y a des élus, il y a des simples citoyens qui font un tas de propositions, mais on ne peut pas en discuter. A été concerté. C'est parce qu'il n'y a pas... la possibilité de se rencontrer. A été donc décidé. C'est facile de contredire Jean-Marc Ayrault. J'ai envie de rigoler. On l'a jamais vu ici. Il est jamais venu ici. Il a sans doute survolé la zone parce qu'il a d'autres moyens que nous. En hélico ou je ne sais pas, avec le préfet ou avec les hommes politiques. Ça, sans doute. Alors de Paris-Orly, on part à midi. On arrive vers quelle heure à Nantes? On arrive vers 14h. Non, en service normal. En service normal. Mais il est jamais venu sur le terrain nous rencontrer. On se croise, on se parle pas très très souvent. L'aéroport tel qu'il est aujourd'hui convient bien. Sur un site comme dans l'Atlantique, il est possible, si nécessaire, d'envisager de construire une piste avec une orientation légèrement différente. Sauf qu'on a proposé un certain nombre d'alternatives, que ce soit les associations ou que ce soit les Verts, de lancer des études indépendantes pour une piste alternative à Nantes-Atlantique. Jamais cette étude n'a été réalisée. Premier aéroport du 21e siècle, dernier aéroport construit en France avant bien longtemps, l'aéroport international de Notre-Dame-des-Landes sera aussi le plus respectueux de l'environnement. Et l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, vous allez dire combien vous en pensez ? Je me suis déjà exprimé sur ce sujet. L'aéroport sera doté d'une infrastructure aux normes de haute qualité environnementale, notamment par un système d'exploitation optimisé. Les bâtiments seront à basse consommation et à énergie positive. Au tour d'un autre ministre, Stéphane Le Foll, pour l'agriculture, d'être accosté, sans plus de résultats pour les militants. Non, je ne suis pas au courant du tout. Ce que tout le monde a extrêmement mal digéré, c'est l'engagement public de Cécile Duflot, 10 ans. Monde, disant on a voté à notre assemblée des Verts et je suis venu vous dire une chose, c'est que dans les négociations avec le Parti Socialiste, on ne cédera pas sur Notre-Dame-des-Landes. Ça, tout le monde l'a entendu, c'est enregistré, etc. Oui, c'est vrai que nous avons eu un congrès, que ce congrès a adopté à 92,7% une motion qui fixe un certain nombre de points qui rendront pas possible la conclusion d'un accord pour 2012. Et parmi ce projet figure le projet de Notre-Dame-des-Landes, parce qu'il concentre en lui-même tout ce que nous voulons. Alors je sais que nos amis écologistes ne sont pas d'accord. Pour répondre aux caprices de certains présidents de région ou de certains grands maires, on peut construire et envisager de construire un aéroport inutile quand plus personne n'envisage un développement du trafic aérien.
ça sera dépassé le moment venu et nous nous retrouverons dans un accord de gouvernement, je l'espère, avec les écologistes et cette question sera laissée comme une question qui n'a pas pu être consensuelle. Prenez conscience aussi hein, que si je n'étais pas le prochain président, cet aéroport se ferait aussi avec Nicolas Sarkozy, chef de l'État. Je pense que partir pour un projet qu'on sentirait réellement d'utilité publique, on l'accepterait, quoi. C'est un projet inutile et dépassé. Le coût de ce projet est faramineux. Selon certains experts, il pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros. Je ne parle pas du coût des expulsions. On nous a parlé de 500 millions d'euros. Je ne sais pas si c'est vrai. Rien ne justifie aujourd'hui le déploiement de forces de l'ordre. Plusieurs centaines de gardes mobiles et deux hélicoptères. La zone est désormais militarisée. C'est une opération de nettoyage avec flashball et destruction de maisons. Le changement, monsieur le Premier ministre, ça ne peut pas être la répression contre des manifestants non-violents. Le changement, monsieur le Premier ministre, cela ne peut pas être l'entêtement sur un projet dont l'utilité pour la région n'a jamais été démontrée. Le changement, enfin, monsieur le Premier ministre, cela ne peut pas être une attitude qui était courante sous la droite, mais qui choque celles et ceux qui attendent sur ce sujet, comme sur d'autres, une politique différente. Je rappelle que c'est un projet qui est fort ancien. Il est aujourd'hui déclaré d'utilité publique. Est-ce que vous prenez souvent l'avion, monsieur ? Très souvent, un peu dans le monde entier. Quant à votre référence aux incidents, monsieur le député, le changement, ça n'est pas l'impunité. Et je tiens à dire, devant la représentation nationale, solidarité et confiance aux forces de l'ordre. Je trouve toujours très regrettable que des problèmes qui suscitent tout naturellement une opposition des uns et une opposition des autres soient traités avec de la violence, que ceux qui se sont engagés derrière ce projet reconsidèrent leur position et arrivent peut-être à la conclusion que véritablement on s'était fourvoyé en voulant à tout prix cet aéroport. Bien voilà, nous avons un petit montage fort agréable, donc de la Parisienne libérée pour Mediapart. Et donc toutes les images que vous avez vues ont été captées entre 2004 et 2011, donc avant l'opération César, la première opération d'expulsion. C'est pour la télé, je suppose ? Ouais, une pièce d'identité presse. Carte de presse ? Oui, carte de presse. Voici des images de l'opération César qui ont été... capté par un camarade. Ah ouais. Ils ne savent pas précisément combien on est. C'est d'immenses territoires, c'est des fourrés, c'est des zones humides, il y a des mares. India 47-7, India 47-7, parlez. Oui, c'est reçu. Je vais sentir un 23-6 qui vient de prendre contact avec moi là. Et je serai en mesure de te le faire basculer sur ta position. Parlez. Là, c'est un véritable état de siège en fait. C'est un double état de siège en fait. C'est-à-dire que les flics, ils sont aussi cernés par les manifestants, parce que ça va venir de partout. Et ça va être désastreux médiatiquement pour eux. Je comprends pas leur truc. Tant mieux pour nous, j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts. Pensez pas à tenir jusqu'à ce soir. Ça tire par là, j'espère.
suis angoissé par cette situation. J'ai horreur de lancer des pierres ou je sais pas quoi. Et je le fais quand même parce que je sais pas quoi faire d'autre en fait. C'est vraiment. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lancer des. Enfin. L'armée. Mais ouais, c'est ça. Il y a une espèce de spirale violente de répression qui n'a aucun sens. Ça, c'est... Ou alors si, ça en a un, au contraire. C'est... Ça devient. Ce gouvernement socialiste devient visiblement ce qu'il était essentiellement. Ouais. Qu'on appelle de la guerre psychologique. Ouais, faut rebrousser chemin carrément. C'est un truc où se cristallisent beaucoup de choses, quoi, en fait, sur le monde dont on veut, avec des arguments qui paraissent frapper au coin du bon sens. On peut pas, par exemple, avoir de plus en plus de bouches à nourrir et de retirer de plus en plus de terres agricoles. Non, ta gueule, tu comprends ça, non ? Il y en a qui travaillent aussi, mais... Non, mais on a un métier, nous, bon Dieu ! Vous attendez. Non ! Mais vous allez nous manipuler combien de temps ? On n'attend pas, on s'en va faire notre boulot. Non ! Non, c'est pas la peine de prendre des munitions. Prendons un boc de bière, ça te prend davantage de mien. Voilà ton petit bouclier, là tu vas voir comment on va te le mater. Allez, Gérard. Hey, arrête de faire ce boulot-là, putain. Qu'est-ce que vous rends compte le boulot, vous allez foutre des cabanes, des maisons par terre. Allez-y. Hein ? Voilà. Mais non, t'as pas besoin de m'accompagner. On veut pas qu'il passe le camion. Il est en train de faire du sale boulot. Votre problème, je vous invite à y aller. Non, mais tu peux enlever ta casquette, je suis pas dangereux, moi, je sais pas, monsieur. Pardon pour cette pause. Là, ce que vous êtes en train de voir, c'est la destruction de la châtaigneraie, qui maintenant existe toujours sous la forme d'une expo photo sur les lieux où elle était, qui s'appelle l'expo du châtaigne. Ça a été un camp qui... Enfin, ça a été un ensemble de bâtiments collectifs et peut-être qu'il y en avait certains privatifs, je ne suis pas sûr. Qui a été construit pendant l'une des plus grandes manifestations anti-aéroport qui a lieu auparavant. C'est-à-dire que plusieurs milliers de personnes ont participé à ce chantier et ensuite une bonne centaine est restée sur place pour le poursuivre sur la longueur. Et c'était une zone magnifique, vraiment une petite oasis et aussi un des centres avant sa destruction. Un des centres d'organisation sociale et communautaire de la ZAD très, très important. Et oui, la guerre psychologique, c'est assez important pour ton commentaire, Naga. La guerre psychologique en criant au loup. Alors, ce n'est pas que des bruits de loup, c'est les bruits de tous les animaux de la forêt. On fait ça principalement déjà pour savoir... qu'on va bien, si la ZAD est coupée en deux ou en trois ou en quatre par des dispositifs policiers répressifs et qu'on ne peut pas communiquer, donc on ne peut pas communiquer directement avec les campements qui sont isolés. Crier le chant du loup et celui des animaux de la forêt, à commencer par celui du triton crété, qui est une espèce protégée sur zone, même s'il y a aussi des loups, des chauves-souris, divers batraciens, et une foultitude d'insectes. Je ne suis pas sûr d'avoir... Je n'ai pas appuyé l'importance de la biodiversité dans le lieu, qui est une terre humide. Des terres humides ne peuvent pas réapparaître aisément comme ça, sans des années, des dizaines, ou plutôt des centaines d'années. Du coup, si on en perd une, on la perd à tout jamais.
Et donc, bah, c'est beau le bocage. Le bocage breton. Et donc, la guerre psychologique t'enverra d'autres, enfin, vous enverrez d'autres aspects. Mais quand on est membre des forces de l'ordre, plutôt CRS ou plutôt GM, parce qu'après il y a des d'autres brigades, telles le PSIG Sabre qui a été employé en 2018, qui sont des unités réellement antiterroristes, plus légèrement équipées pour appréhender des personnes d'intérêt, on va dire. Eh bien, nos ordres, ça va être très souvent d'encadrer telle zone, de rester immobile des heures, puis d'enchaîner des charges, des affrontements, des tirs, des lancers de grenades ou des tirs de grenades avec des lanceurs Cougar ou autres, tirs de flashball. À moins que tu aies un peu plus de chance, je ne sais pas si c'est vraiment de la chance ou pas, que tu sois par exemple pilote de drone ou conducteur d'un des camions équipés de caméras et de différents détecteurs pour pouvoir faciliter le fichage sur jeune, ou gendarme ou CRS équipé d'une caméra pour ensuite proposer des images clés en main parce que pendant le début de l'opération, l'accès au site est bloqué par la gendarmerie pour les médias. Mais dans leur grande bonté, nous allons vous proposer des images clés en main et libres de droit tournées par la gendarmerie nationale. Nous en aurons quelques extraits. Enfin, je pense même que ce sont tous les extraits des expulsions d'avril 2018 accessibles sur le net. Mais on les verra plus tard et j'ai enlevé le son pour le superposer avec des témoignages d'habitants du lieu. Donc nous continuons, nous sommes donc à La Châtaigne, ou La Châtaigneraie, appelez-la comme vous préférez. Tous les campements à travers leur identité ont vu leur nom plus ou moins évoluer au fil du temps ou pas. Les destructions. Un lieu détruit peut renaître de ses cendres sous une autre forme. Et encore actuellement, ça me fait chaud au cœur de le dire, mais dans les lieux qui ont le plus souffert à l'est, où il ne restait plus de cabanes après 2018, ben là en 2023, il y a des cabanes qui fleurissent. Il y a toujours de la vie là-bas et ils respectent et suivent l'esprit des lieux qui étaient à l'origine une zone non motorisée et anarchiste, pour simplifier. Et non motorisé, ça, ils s'accordent quand même quelques trajets en voiture quand il faut. Et je précise aussi pour la zone non motorisée de l'Est, pardon. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes est composée d'énormément de petits chemins entre bocages, terres cultivées, cabanes avec leurs petits jardins et camps plus grands. On a de grands espaces de forêt. Je pense par exemple à celui de la forêt de Roanne qui est juste à gauche de la D81 quand on monte direction Notre-Dame-des-Landes. Et tous ces endroits ont plein de petits chemins, des sentiers, qui sont connus par les habitants, mais pas foncièrement par les forces de l'ordre, même si elles étaient bien renseignées sur place, et peut-être le sont-elles encore aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que dans la zone non motorisée, de l'Est, des barricades étaient mises sur les plus gros chemins pour bloquer l'accès aux engins à moteur et permettre une zone où il n'y a pas de véhicules à moteur au sein de la ZAD. Même si des exceptions, bien sûr, sont faites pour les habitants locaux et les agriculteurs du cru qui ont besoin d'emprunter ces chemins avec leurs camions, l'usage était de ne pas utiliser de véhicule sur ces terres, on va dire. Qui était traversée par une route, la D281, celle-là. Je ne comprends pas. Les gens, il y en a qui ont grandi ici. Il y en a qui viennent d'arriver, il y en a qui font leur vie. Cette forêt, elle nous est prêtée par son propriétaire. En fait, on n'est pas expulsables de cette forêt, quoi. Donc là, ils sont en train de faire quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de faire. Les gens, juste, ils se défendent face à des flashballs, face à des grenades, face à des tractopelles. Juste, en fait... arme par destination, un caillou. Si un caillou c'était plus puissant qu'une matraque, on saurait, ils auraient tous des cailloux, quoi. Ce qu'ils veulent là, c'est protéger les machines, parce que clairement les machines elles sont en train de faire un travail sale, un travail pas propre.
Un travail qui est pas censé être fait. De nous voler le matériel, de détruire ce que les gens ont mis de l'énergie à construire. Et ce qu'ils veulent, c'est les protéger, quoi. Reculez! Reculez! Reculez, je vous ai dit! Et de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà un exemple de guerre psychologique, Naga. Quand tu es immobile, ben, des fois tu assistes à des danses, à des spectacles de clowns, où tu te fais insulter, où on te fait pleurer parce qu'on discute avec toi et on a des arguments qui portent. Et ne pensez pas que les opérations d'expulsion c'est propre, non, il y a des cabanes qui sont fouillées sans autorisation, des matériels volés et détruits, sans raison. Jamais. J'ai apporté mon bâton.